Chelou, il est même pas traduit, mec. Sauf si c'était vraiment pas un jeu intéressant, on va pas le faire. Allez. Salut Marie. Alors Marie, j'ai changé les paramétrages de Restream, donc normalement tu devrais peut-être ne plus ressentir ces effets de lag, je sais pas. Commençons par remettre les nodons à sa taille originale. Le nodon écran. Ok. Je vais voir ça. Bah écoute, j'espère vraiment, Marie, que ça te saoulera pas trop. C'est un peu violent. La musique! Comment je vais? Bah écoute, écoute, ça va, j'ai... Bah du coup j'ai acheté mon petit jeu là. Ça m'a fait plaisir. Bon, j'avoue que là va falloir que le mois prochain je me serre les... Faut que je jette ma carte bancaire et que je jette tout. Faut que j'arrête de dépenser, c'est pas possible. Ouais, par contre c'est ça que je voulais voir là, mec, j'ai un truc bizarre sur ma caméra. Et toi, comment ça va? Ça a été le sport? Bah non, en fait. Bon, je sais pas. L'écran du jeu défilera vers... je vais faire un petit peu de ventilo, tu sais quoi. Parce qu'en fait, il fait chaud. Tout simplement. Ah bah, vas-y. Quoique, non. Alors, pour l'instant, je suis au... Allez, bâtard. Un peu d'air frais quand même parce que là c'est dur. Pour l'instant je suis au 3ème ou 4ème tuto, il y en a 7. Donc je vais faire le mec sérieux. Je vais suivre les tutos parce que j'ai envie de savoir aussi c'est quoi le potentiel du truc. Nickel, la prochaine fois mon coach me montrera les exos pour renforcer mon dos. Eh bah écoute, y a les mouvements de bassin là qui sont bien pour ça. En fait, ce qu'il faut, c'est renforcer la... Alors effectivement, t'as le dos, celui qui se muscle genre quand tu fais des tractions. Donc t'as toutes les grands dorsaux, ce qu'on appelle les grands dorsaux. Après, t'as la partie lombaire
Et ça, c'est vraiment les exercices. En fait, c'est des exercices orientés fessiers. Et typiquement, je sais pas si t'as déjà vu des nanas faire ça, parce que c'est beaucoup les nanas qui font ça pour, parce que ça fait travailler quand même le fessier. Et en fait, c'est genre tu te mets sur un. Alors soit tu peux te mettre sans au poids du corps, genre tu te mets dos sur le sol, les jambes, comment dire, tu vois pas les jambes repliées, je sais pas comment dire, tu vois en gros t'es, attends on va dire ça, on va dire là tu vois c'est ça, on va dire que là c'est tu vois, tes jambes elles font comme ça quoi. Ça fait un triangle. Donc tes pieds sont posés sur le sol, mais relevés. Enfin, ton genou est replié vers toi. Voilà, comme voilà. Et du coup, tu t'appuies sur tes jambes et tu fais des relevés de bassin. Et ça, en fait, ça renforce à bas le bas du dos. Et c'est super bien. Moi, j'en fais après une journée de taf. Parce que bah quand t'es resté assis toute la journée, bah c'est bien de faire ça quoi. Soit puis y en a d'autres. Défiler vers la droite en fonction de la valeur qu'il va recevoir. Entrée. Alors attends. Donc anodon constante entrée constante. Attends, sélectionner milieu, drapeau, compteur. Ça fait bizarre de ressortir mes données de sport. Ouais. Bah, moi je t'avoue, hier quand je suis arrivé, je lui ai dit bah je me désinscris, j'étais en mode putain, ça fait chier quoi. Mais bon, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux? Connect. Attends. Connecte ensuite une onde constante au port augmenté. Ouais, c'est bon. S'ajouter à mon compte total. Ça marche. Ça permet de faire un truc suivi. Hein. Wow. Il va falloir que je trouve le temps d'y aller entre deux séances de kiné. Ouais, après faut pas se mettre la pression, tu sais Marie, hein, faut surtout pas retomber dans le piège que t'as fait la première fois, c'est-à-dire faire du surentraînement, s'entraîner quand t'es fatigué. Enfin voilà quoi. Faut t'y vas déjà quand ça te fait plaisir. Et ça va te faire déjà du bien, tu vois. Je sais pas ce qu'il me fait faire. Nodon transposé. Tu es avec Bob. L'amplitude d'entrée et de sortie. Alors ça se manipule, on va dire, aussi bien que dans Dreams. Presque. Mais ouais, l'idée c'est donc de 0. En fait, je pouvais faire. Voilà. Ok.
J'avais jamais vu trop à quoi ça ressemblait d'ailleurs Mario Movie Maker, super, non Mario Maker, mais j'avais cru voir que c'était à peu près dans les mêmes designs que ça. Ah, on va voir ça tout de suite. Et bien sûr, ça c'est un truc que j'ai créé. Hein. Bon, bien sûr, c'est très simple. Mais en fait c'est l'avantage. Putain. C'est l'avantage, c'est que tu crées des trucs très rapidement. C'est même encore moins décomposé que Dreams dans les mécaniques. C'est-à-dire que bah en fait t'as déjà des trucs tout préfaits quoi. Donc je sais pas c'est quoi la limitation. Déjà en stream. Bah ouais gros. Donc voilà, et là je suis déjà, donc c'est ce que je vous disais, je suis déjà, donc on va arrêter ça, ah non on va pas arrêter, je vous montrerai après, quand j'aurai fini celui-là. Donc ça fait partie des tutos, donc voilà quoi. Mais ça va sinon? Pas trop cramé de ta semaine? Bah écoute, un peu, mais ça va. Tu vois, je me plains pas. Je suis moins fatigué psychologiquement, tu vois, parce que j'ai quand même fait des choses intéressantes cette semaine. Les paramètres de l'OVNI. Ouais. Et tu vois, en fait, c'est des trucs très conçus, donc ça veut dire que t'as des propriétés et après. Tu dis voilà, destructible, pas destructible, qu'est-ce qu'il dit? Alors tu peux choisir ici quels objets détruisent l'OVNI. Ah donc du coup ça serait ouais, c'est ça que je cherchais. Tu vois, moi pour moi, la banque d'objets, elle est très très restreinte. Et quand tu te dis que Dreams il était sorti à l'époque pour le même prix. Il était quand même vachement complet. Après, il faut passer un peu plus de temps, mais en vrai, c'est nettement. C'est tellement plus fou ce que tu peux faire. Après, je vais voir est-ce qu'on peut aller. On va voir. C'est l'objet. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont. Ils vont aussi peut-être faire des mises à jour. Ils vont faire aussi des mises à jour. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont sortir, tu vois. Mais ça a l'air aussi simple de partager tes créas. Donc ça c'est l'avantage en fait. En fait c'est un mi-monde entre. Pour moi je le vois. Essaye de me heurter un mur. Attends. C'est un peu. Ouais c'est bon. Donc voilà. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que quand même, ils ont pas été trop stupides. Dans un autre niveau, j'ai pu quand même utiliser l'aspect gyroscope de la Switch. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Donc en fait, tu peux utiliser les fonctionnalités de la Switch. Elles ont été vraiment développées pour le jeu. Donc si tu as envie d'utiliser des trucs un peu gyroscope et tout, parce que moi, je trouve que vraiment. Bah dans la Switch, il n'y a pas tant de jeux que ça qui l'utilisent quoi. J'espère parce que là, les objets, j'ai ni moins que dans Mario Maker. Ouais, après c'est le tout départ.
Non, après, je sais pas, Mario Maker, je connais pas, mec. Défilement automatique, agrandi le niveau. Toujours été facile. Voilà, donc là, je suis arrivé à l'étape 4. Alors, par contre, bon, c'est vrai que c'est un public. J'ai gagné 5 euros hier avec le truc que je vous ai montré. En gros, j'ai acheté. C'est ce que je vous montrais. C'est le programme. Alors, ça, c'est super intéressant pour ceux qui sont acheteurs de jeux Switch. Surtout, ne pas l'oublier ce truc-là. Parce que, du coup, en fait, là, c'est ce qu'ils mettent. Vous pouvez enregistrer une carte de jeu dans les 2 ans qui suivent sa sortie. Donc, moi, je suis baisé parce qu'il y a des jeux que j'ai achetés bien après. Enfin, que j'ai activé bien après, surtout. Et ça, en fait, ça te donne du gold. Non, des points or, quoi. Sachant qu'en gros, j'ai cumulé 430, environ 430-450 points. Et ça m'a fait une réduction de 4,50 €. Donc, pour ceux qui achètent. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les jeux gratos, je sais pas si ça fonctionne, mais ça pourrait être intéressant de vérifier. Les jeux que tu chopes en fait sur Nintendo Online, je sais pas, genre. Oh, je pense pas, en vrai, mec. Ce serait de l'abus. Mais par contre, ça serait de l'abus, mais par contre sur le Nintendo eShop, des fois ils mettent que t'as comment dire des jeux qui coûtent 4-5 euros, ils te font 100% de réduc dessus. Ce qui fait que du coup t'as le jeu gratos. Mais lui faut qu'il arrête là. T'as le jeu gratos et puis bah du coup peut-être que ça fonctionne dans le genre de cas. Les jeux gratos, on parle du Nintendo. Oui, mais c'est des jeux indés hein, bien souvent c'est des jeux indés. Donc voilà, donc en fait ça, là c'est le système. Alors, je vais revenir voilà, moi j'ai fait tout ça, donc t'as la petite intro. Donc sachant que pour les gens qui sont intéressés sur le l'eShop, il te file l'introduction du jeu. Tu peux le tester en démo avant de l'acheter. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, teste, mec. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que assez rapidement, j'ai assez vite accroché. Je trouvais que ça plutôt pas mal. Du coup, je l'ai acheté. Après, j'avais quand même l'intention de le faire. Donc, j'ai fait le chat et la souris. C'est-à-dire que là tu fais un game, tu vois, c'est un peu comme ça. Il y en a un qui est chat, l'autre la souris, il détruit l'autre avec des obstacles. Tu poses tes objets, tout ça, tout ça. Le rouli-roula. Donc ça c'est aussi un truc qu'on a fait. Et du coup en fait ça utilise le gyroscope de la console. C'est-à-dire que t'es en mode comme ça avec ta console. Moi je trouve ça pas mal. Le seul jeu que j'ai en mémoire qui utilisait le gyroscope, c'était Zelda, quoi. Zelda, ils utilisent souvent les fonctionnalités de la Switch, enfin de la Nintendo. Je me rappelle sur la Wii, quand tu tirais ton arc, tu faisais vraiment le signe, enfin le signe, le geste. Et donc là, je suis rendu à ça, sachant qu'il me reste un petit jeu d'arcade, a priori. Il reste la chambre des mystères, donc ça peut être super intéressant pour faire des point and click. Point and click? Moi je le vois bien là-dedans, tu vois. Après, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça c'est pour moi, c'est un peu un truc éclaté. Je vois pour une Mario Kart, pourquoi pas. Bonhomme World, je sais pas encore ce que ça va donner. Mais en fonction. Donc en fait, c'est du platformer 3D. Mais en vrai, je sais pas c'est quoi la limitation. Mais en vrai, je suis assez curieux de savoir ce qu'on peut faire, bien sûr, avec tout ça, quoi. Genre, si on peut faire un. Moi, je serais assez curieux, assez chaud, de faire un petit Pokémon, tu vois. Parce que là, franchement, les fonctionnalités de Pokémon. Un truc très simple, hein, je ne reproduirais pas un Pokémon de A à Z.
Mais genre au moins faire les bases, faire une petite map avec un petit combat. Ouais, ça pourrait être un truc marrant. Après les devs, ça va être un calvaire à mettre en place. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, ça je l'ai fini. Bon, voilà, donc j'ai pas, je peux pas faire plus vite que ça parce que de toute façon. Ah si, je peux faire plus vite. Parce que si je fais retour, donc soit t'as la leçon interactive, soit t'as la programmation libre. Et je t'avoue que je suis pas chaud. C'est un peu débile d'aller en programme libre si tu. Ouais, j'ai envie d'explorer un peu les fonctionnalités. Et donc en fait, donc t'as tout un tas d'étapes qui te permettent de faire le jeu en question. Et sachant que t'as un récap. Voilà, si tu dis bon, moi j'ai pas fait les récaps parce qu'en fait, si tu veux, clairement, quand tu viens de faire l'étape, il t'ajoute un récap. Et en fait, c'est exactement la même chose. Donc, si tu veux, dans l'immédiat, je trouve ça un peu débile de le faire. Mais par contre, voilà, si tu dis putain, je sais plus comment on fait pour faire ça, bah, du coup, tu peux reconsulter. Je pense plutôt un peu dans ce but là, quoi. Voilà. Voilà. Donc sachant que moi j'avais un peu galéré au tout départ parce que j'étais en mode putain gros c'est chaud au départ, moi j'étais comme ça. J'étais en pointer stick. Et mec j'étais comme ça quoi, avec le petit stick comme ça avec la manette quoi. Et j'étais putain c'est chaud et tout, vraiment je vais galérer pour faire le truc. Donc il y a un mode gyroscope, ce qui est bien. Ce qui est super bien, moi je savais pas, je pense pas. Enfin je sais pas s'il l'avait mis sur les vidéos, enfin bref. Commande en mode portable et sur la table, je sais pas. Donc le jeu il est beaucoup plus orienté sur un mode portable. Parce que vraiment bah tu galères mille fois moins à faire en fait quand t'es en mode tactile. Vraiment faire les nodes et tout ça, de lier les trucs, c'est beaucoup plus simple. Après ça va encore tu vois. Mais j'ai entendu dire qu'ils avaient l'intention de donner la possibilité de. Alors je sais pas, soit c'est déjà en place pour d'autres jeux, enfin je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Soit c'est déjà en place d'avoir la possibilité de mettre un clavier et une souris. Et j'ai cru comprendre que sur ce jeu là, ils le mettraient vraiment en place pour faciliter en fait les devs sur les petits jeux. Donc ça pourrait être cool. Après ça va, tu vois, c'est un peu comme Dreams, en vrai tout est jouable, ça prend plus de temps quoi, mais c'est faisable. C'est faisable carrément. Donc voilà, grosso modo, et voilà. Oh, ajouter une fonction de pause à notre mécanisme indéfiniment, en guise de préparatif. Que quand on maintient... Ah ouais, ça c'est bien ça. Voilà, par contre, moi je suis pas super chaud de comment. Entrée, milieu, sortie, objet. Enfin voilà, je trouve qu'il y a des trucs. C'est. Bah. C'est explicite sans l'aide quoi. Je sais pas. Donc, bouton appuyé, tu vois, c'est une entrée. Ouais, si, c'est vrai. Faut avoir la même. Faut avoir la mécanique. Ce soir, tu vas continuer sur l'atelier ou faire autre chose? Bah écoute, j'en sais rien mec, je sais pas. Parce que... Je sais pas. Si ça tente des gens, je peux continuer sur le game, histoire de me présenter, voir un peu comment ça se joue. Parce qu'il y a peut-être des intéressés aussi sur le sujet. Et voilà. Grâce à moi, tu auras le pouvoir de faire... Ok, ça marche. Il va y avoir les coupures du miam. Ouais. Attends, connecte le bouton pour augmenter. Z.
Zedir, c'est lequel? Oh, c'est sûr. Voilà. Et effectivement. Effectivement. Il y a la coupure miam. Après, je sais pas, c'est comme vous voulez. On pourrait faire. Si on avance bien. Bah après, je sais que les. Parce que le défilement s'arrête dès qu'on maintient. Alban qui joue à saute encore, il est accro. En même temps, il est bien. Tu joues pas avec lui du coup? Ça te tente pas plus? Je suis un nondo. Nondon. Ça fait un peu partie de la même logique. Pas question, je travaille avec toi. Ok. Attends, pour augmenter ça. Alors attends. Pas en semaine. Pourquoi pas en semaine? Parce que tu travailles le lendemain. Comme autre qui voulait jouer à midi, je sais plus quand, ouais, grave, j'avoue. Ouais, écoute, elle a raison de demander, hein, avec le confinement. Attends, on a permis vraiment nos repères, qui bosse pas. Par contre, c'est vraiment le truc, c'est que ça. Ça devient vraiment un bordel sur l'écran, quoi. Enfin, moi, c'est mon perçu. Hein. Après, t'arrives à t'y retrouver, mais genre à un moment donné, c'était sur le gyroscope, je crois. Moi, je bosse pas, mais j'aime manger à midi. C'était sur le truc du gyroscope. À un moment donné, tu superposes deux trucs. Mais en vrai, t'as du mal à t'y repérer, en vrai. Mais très facile à prendre en main, de toute façon ça c'était pas... Pour commencer, nous allons agrandir encore le niveau. Voilà, ok. Donc ça reste très simple à mettre en place. Copie, non, ok, ça marche. Et de manière assez simple, un peu comme Dreams, tu passes du mode jeu au mode développement, enfin c'est très simple. C'est tout pour les extraterrestres. Tu vois, tu redimensionnes assez simplement. Allez, putain. Voilà. Mais y'a pas Connie, ouais, c'est vrai que Connie c'est quand même une grande histoire d'amour. Fais une nouvelle copie. Moi je pouvais peut-être copier l'autre. Ouais, si tu tardes de te faire manip. Allez. Parfait.
Des murs invisibles. Ah oui, c'est vrai. Alors tu vois les fonctions de copie, je sais pas si on peut aller jusqu'à sélectionner deux trucs. Et les dupliquer ensemble. Tu vois, genre comme dans Dreams. Genre pour dupliquer. Dupliquer des trucs, tu copies un ensemble d'objets et tu les dupliques. Ça c'était pratique de ouf. Salut Desmo! Comment vas-tu? Faut un petit moment avant d'attendre la partie passée. Bah écoute, nickel, je viens de faire la presse de... Ah, déplacer. Enfin, je viens de faire l'achat parce que c'est un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est-à-dire aujourd'hui. Donc c'est un peu... je sais pas si t'avais trop suivi ce que je faisais sur Dreams, mais c'est un peu le même truc en fait. Plus simple quand même. Et en gros tu fais tes petits jeux sur Switch. Il vient de faire le pigeon. Non mais tu vois, ça c'est des jeux vraiment, j'ai envie de les acheter, tu vois. Ça m'intéresse vraiment. C'est pas après c'est vrai que bon, il est pas spécialement donné, tu vois. C'est vrai, je l'ai eu à 25 au lieu de 30. Je fais un pigeon, gros. Un objet pivotable. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la différence, c'est que t'as déjà des objets déjà tout faits. Alors que par exemple, dans Dreams, on va voir ce que ça donne, mais les objets pivotables, bah c'est tu prends un objet, tu lui donnes une fonction, tu l'attribues à une fonction. Là, tu vois, le truc est déjà tout préfait, quoi. Mais tu seras pas payé. Ouais, c'est ça, ouais. Bon après du moment que je m'amuse gros. Alors. Rouge. Ok. Ah ouais, nice. C'est pas mal ça. Payé en liquide. Ça, les constantes, c'est un truc, mec. Je suis pas très chaud avec ça. Si j'ai le café numérique. Ouais, c'est ce que je vais faire. Mais le gros avantage en fait, si tu veux, de jeu sur Switch, c'est que bah la Switch c'est très rapidement en fait, tu peux la prendre, tu peux la transporter, tu vois, c'est différent quoi. C'est surtout ça moi que je voyais, c'est le côté portable. Tu peux te poser un peu n'importe où, faire tes trucs. Et puis voilà. Connect, ouais. Oh, Nodon, objet pivotable. Port Z. Et puis en fait ce qu'il y a, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est jouable de 2 à 8 joueurs. Donc tu peux avoir plusieurs consoles, donc c'est à dire que tu peux partager aussi, si un mec a le jeu, tu peux partager le jeu avec lui, ou on peut jouer à 8. Et tu peux faire tous les types de jeux que tu veux, genre tu sais, parce que moi je sais que j'ai testé tu vois genre les 51 World War Games. Tu vois, c'est des jeux très très simples, très basiques. Mais il y en a plein qui manquent, tu vois, dans le jeu. C'est beaucoup de jeux dames chinoises, les échecs, les trucs, tu vois, les trucs qui cassent les couilles en vrai. Moi, je suis pas très fan. Et du coup, tu vois, ça permet, genre, si tu fais le fifou, tu peux développer plein de jeux en fait.
Ça peut être cool, tu peux carrément genre un jeu de société qui te fait kiffer, tu peux le développer, je pense, à mon avis, sans problème. Ça, par contre, c'est plus gérable, je pense. Mais non, gros. Mais non. Faut pas l'écouter, gros. Rien que le terme est orbite. Incroyable ce type. On me cancelle tout le temps. Appelle un odon. Mais toi, si t'as kiffé Mario Maker, gros, je pense que tu peux kiffer en vrai. Un Zata. En vrai, si t'as passé du temps sur Mario Maker, en fait, c'est la continuité en plus quoi. Après, faut voir. Appelle un bouton. Appelle un odon. Ok, ça marche. Objet simple. Cylindre. Et en fait, ce qui est agréable, c'est que tout comme la PlayStation avec les PS Move, en fait, c'est que t'as des outils qui sont vraiment agréables à prendre en main, quoi. C'est ça qui est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça te fait vraiment pas sentir que t'es en train de galérer sur un truc, tu vois. Enfin, c'est un environnement qui est plutôt ludique. Ensuite, les paramètres. Couleur. Ok. Ok, bon, c'est. Donc là, ça t'indique sur quel point il s'attaque. Et en fait, c'est pareil. Hein. L'objet que j'ai attaché sur mon vaisseau. En gros, t'as l'objet du vaisseau. Tu prends un objet, tu l'attaches dessus. C'est pour ça que je pense que t'as des trucs quand même que tu peux faire. En termes de design, un peu plus perso quoi. Bon, faut voir, mais ça peut être gérable. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, d'accord. Mec, t'aurais pu faire une paire de couilles en fait. C'est mieux? Mario Maker, c'est juste poser des items, pas de notion de code du tout. Bah après quand tu l'achèteras gros. Est-ce que t'as dit que t'allais l'acheter? T'as des enfants, la Switch? Non. Avant le collège. Bah t'as bien raison. Hein. T'as bien raison. Je suis complètement d'accord avec toi, Desmo. C'est une hérésie d'acheter des trucs aux gamins avant qu'ils soient vraiment très stables. Tu vois. Quand je vois mon neveu à tout ce à quoi il a le droit, et je me dis en fait. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que. Ouvre les paramètres. Non. C'est bien. Enfin, si tu veux, nous aussi, on était un peu comme ça. Enfin, mon âge. À son âge, pardon. Je commençais un petit peu à accéder aux consoles, mais c'était pas trop mon truc en fait, au départ. J'y jouais, mais en vrai j'étais plus à traîner avec les potes, tu vois. Donc, au limite j'étais plus devant un bon film ou une série ou enfin bon, à l'époque les séries c'était pas encore ça, mais ouais, plus à regarder la télé qu'à. Ou si je jouais, c'était. Je me rappelle plus, moi je me rappelle qu'à l'époque à laquelle je jouais, j'étais pas un ouf tant que ça. J'ai commencé à jouer en fait à l'époque plus ou moins Counter-Strike quoi. PlayStation, c'était celle de mon frère, donc on y jouait un peu la PlayStation 1. Essaye de percuter leur. Ah merde. Il est tout le temps qu'on se fasse défoncer la gueule le mec. Si
si vous vous finirez comme nous, c'est pas la peine. Bon, on est sympa et drôle. Ouais, mais très con. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, gros. Au final, bon. La réussite, elle est pas mieux. paramètre d'une odon ovni. Alors, on veut que l'ovni soit détruit non seulement s'il touche un extraterrestre, mais aussi s'il touche un obstacle pivotant. Ok. Cylindre. Voilà. Sachant qu'on peut faire des FPS, hein, j'ai vu ça. J'ai vu des mecs qui faisaient déjà des FPS. Donc il y a moyen de faire des trucs. Tu devrais surtout leur interdire la TV, gosse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, moi j'y vais plus. La télé, déjà chez moi, elle sera jamais allumée. Ou si elle est allumée, c'est pour faire tourner un game ou un film, quoi, tu vois. C'est sûr. Du coup, mieux ou pas la stabilité du stream, Marie? Parce qu'on l'entend pas trop. En fait, c'est la voix de Pikachu. Hein. Bah, elle était là. Mieux, mais ça déconne un petit peu. Bah, ça c'est quand même fou, quoi. Parce qu'il raconte le truc, mais c'est pas notre langue. C'est japonais, c'est Nintendo, c'est quoi? Il parle Nintendo, le frère. Oh! Je sais pas, les autres, vous avez des soucis toujours avec le stream ou pas? Ça lagouille toujours, vous avez toujours des problèmes un peu comme Marie ou c'est stable? Jeanne d'Arc. Mec. Alors par contre des fois ça bug un peu pour détecter les Joy-Con, je trouve. Parce que là tu vois je suis en face du truc et voilà, en fait c'est ça qu'il faut faire. Faut appuyer sur celui de gauche et appuyer sur celui de droite et il redétecte le truc. Ok, ça marche. Tu as la post-satinée, tu as bronzé. T'as vu ça, gros? Bah, j'ai surtout pris un putain de coup de soleil, gros. Parce que quand on est allé à Cancale, là, mais laisse tomber. Et en plus, bah, nous on a pris la première table qui venait, vu qu'il y avait tellement de monde le jour où on est allé. Et du coup, bah, en fait, on allait se poser en terrasse, mais qu'il n'y avait pas de pare-soleil, quoi. Il n'y avait pas de. Tu m'as compris, quoi. Mais t'es pas protégé, quoi. Il faisait chaud, mais ça va, tu vois.
Ça doit être moi, maintenant je sais pas trop quoi faire du coup. Moi ça va nickel. Et Desmo, du coup toi ça va le stream? J'ai pris la première table qui passait mais pas la première fiche j'espère. Non, non. Bah non frère. Ça fait quelque chose d'assez massif, agrandis-le. C'est massif. Ouvre les paramètres. Alors, tu le fais à 0 degré, il a dit. Mobile. Ah oui, nice! Pas devant madame sympa. Non mais tu sais je suis pas du genre intéressé tu vois moi quand je suis calé avec ma copine. Ils peuvent pas pivoter par eux-mêmes. Alors, objet spé... Attends. Objet spé... Attends. Objet spécial. Objet pivotable et un bloc. Je vais le faire passer pour un gouge. Non, mais après, moi j'ai pas. Oh, tu sais, elle se gêne pas pour regarder les pancartes en ce moment. Pas les pancartes, mais tu sais, il y a des trucs d'arrêt de bus, gros. Ouvre les paramètres du nodon. Ok. Seul mobile de tech. Tu me laisses pas le choix. Mais je sais pas, ça ressemble à ça Mario Maker, je trouve, en termes de design, ça me fait par... ça me parle en fait. J'ai l'impression que j'avais déjà vu ces designs-là sur Mario Maker. Constante au port Z. Bientôt le tatou. On parle un truc massif. Bientôt le tatou, ouais, c'est la semaine pro. C'est la semaine pro. C'est la semaine pro, et je dis ça à ma famille. Je fais. Et la semaine prochaine, je vais avoir un gros truc là, comme ça. J'étais là. Putain, mais t'es vraiment con. Tu vas voir, tu vas regretter. Je dis bah non. Et ça fait au moins 5-6 ans que je prévois de faire un tatouage et que je sais pas quoi faire et que voilà j'ai trouvé quoi, je suis bien content de l'avoir fait. Moi les arrêts de bus c'est pour les Big Mac, j'aurais préféré les filles en bikini. Non mais tu sais en ce moment ils font tourner une pub tiens attends ils font tourner cette pub là. Y a rien de y a rien d'incensuré normalement mais on sait jamais. Ouais, je vais pas l'afficher. Bon. Oh, vas-y, on s'en bat les couilles. Alors, attends, c'est. Merde. Ah, c'est ça. Alors, en ce moment, il y a ça qui tourne sur tous les arrêts de bus, gros. Si je fais ça.
Voilà. Voilà ce qui tourne sur les arrêts de bus en ce moment. Autant dire que t'as de quoi te rincer les yeux. Ce mec, il est à poil. Donc voilà. Et du coup, elle fait, oh, dis donc, c'est bien ça, dis donc. Parce qu'une fois, en fait, j'avais, c'était même pas la réflexion que j'avais fait, c'était que, en fait, on était dans les galeries marchandes de Leclerc. Et tu sais, t'as des trucs de lingerie, quoi. Et j'étais là, tu vois, je voyais la nana habillée et tout, enfin, plutôt dénudée, en fait. Dans sa vitrine, et j'étais là, je fais ah ouais, ça pourrait être bien. Et elle a pris genre en mode j'étais en train de baver sur la meuf, tu vois. Alors que je lui disais non, c'est pour toi, tu vois, c'est pour toi que tu pourrais le mettre, tu vois. Non, et depuis ce jour-là, en fait, elle me fait chier avec ça. Elle me taquine bien avec ça. Bref, viens volter ensemble dans le vide intersidéral. Ah ouais, ça marche bien ça. Yana s'est oublié rarement ce genre de truc. Non mais. Surtout que c'est pas du tout la pensée que j'avais, tu vois. J'étais pas en mode oh, putain, elle est trop bonne, mec. Non, c'était pas l'affiche que je kiffais, tu vois, c'était. C'était clairement. Je pensais. Moi, j'imaginais déjà ma meuf dedans, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Il doit aller faire à manger à ses gosses, c'est pour ça. Ah non, mais moi, j'ai même pas le droit de mater, tu vois. Là, clairement, c'est ce que ça voulait dire. Donc maintenant, comme elle se gêne pas, parce qu'en plus elle me fait tout le temps la réflexion, je dis bah écoute, si toi t'as le droit, surtout que moi je lui dis mais t'as le droit de regarder, c'est tant que tu fais que regarder, je m'en fous. Tu vois. Ouais, je lui dis, de toute façon, il y a des fois, tu fais pas forcément exprès, tu vois. Je veux dire, ça se présente à toi, donc bah t'as des yeux, oh mince, ils ont vu, évidemment. C'est comme ça, quoi. Alors pour ceux qui comprennent pas c'est quoi les murs invisibles, c'est parce que en fait c'est pour éviter qu'ils sortent du cadre. C'est juste ça. Moi c'était pire, je matais pas et je me mangeais des réflexions parce qu'elle croyait que si alors que je. Mais le pire c'est ça le truc attends. Attends, c'est dans quoi? Appelle un nodon objet avec texte. Ah, dans spécial, ok. Bon. Texte. Texture avec texte. Le pire c'est ça, c'est que j'ai pas. Quand je suis avec elle, franchement j'ai même pas. J'y pense pas quoi, en fait. Je m'en bats les couilles tellement. Ouais, d'accord. Il veut que je note quoi? Arrivé. Ok, ça marche. Mais en tout cas, c'est
Moi, ce que je repère sur le jeu, c'est que ça respecte vraiment bien le l'environnement Nintendo. Et ça, c'est bien. En fait, tu sais que t'es chez Nintendo, tu vois. Bon, après, c'est bien ou pas bien, ça dépend. Attends, merde. Finish. Ouais, c'est pareil. J'avoue, j'ai mis ça en anglais, t'es mec. Comment j'étais à dire? Ha. Non mais il tenait, c'était pas possible. C'est pas possible. Tu vois, autant dire ouais, elle est bien, mais bon voilà, enfin je veux dire si je suis avec toi, c'est pas pour rien, tu vois. Et ok, tu vois. Mais dire à chaque fois. Non, non. Par contre, le mec là-bas, il est pas mal. C'est limite ça, quoi. Ah, tu dis, ah, ok, en fait, il préfère les mecs. Ah, mais c'est bizarre. Quand t'es avec elle, et dès que tu rentres à la maison, hop, direction YouPorn. Non, même pas, mec, c'est vrai que c'est même pas vrai. Je te jure. J'ai pas besoin, en fait. J'ai pas besoin. Après, j'ai. Pourtant, bon, c'est vrai que les semaines sont assez fatigantes. Donc, je pense que très clairement, je m'en soucie pas. Et puis, j'ai le sport pour me défouler, quoi, tu vois. Et puis, bah, quand je la vois, bah, voilà. Ça se passe bien, quoi. Je vais faire à manger au gosse de Dessous. Mais pas du riz bolognaise. Ça marche, gros. Bah, écoute, bon appétit. Et bah, je. Si ce soir, je fais pas de ce jeu-là, très certainement, je. Je serais tenté de faire du No Man's Sky. Putain, je pèle de ouf. Oh là là. Attends, mec, c'est ouf. Putain, mais je suis en train de me disquamer. Je me disquame, gros. C'est impressionnant. Je pensais que j'avais fini, mais en fait pas du tout. C'est appréciable. Je vais manger ma peau après, c'est plein de nutriments. Je rigole. Bon app, ça marche. Bah après je te dis. Sauf si je sais pas, je sais pas. En vrai, je suis pas super concentré pour faire un SOT ce soir. J'ai plutôt envie de me détendre. Et ça c'est bien, tu vois, pour se détendre. Bon après, voilà, ce qu'il y a c'est que bah. C'est bien aussi de jouer avec les copains. Live et nickel point d'étoile qui se marche. Sachant que demain matin, normalement, je continue aussi le niveau que j'avais commencé dans. Dans Dreams. Voilà. C'est bien aussi de faire la créa. Ça change un peu. Mais vraiment, ce que j'aimerais sur Dreams, c'est que ce soit interactif, quoi. Que t'aies possibilité d'avoir de jouer avec un pote et d'être sans avoir à partager tes créations, quoi. Tu vois, je trouve c'est un peu lourd. Toi, tu fais un multi créatif, quoi. Un vrai. Moi, c'est ce serait vraiment le. Le futur de Dreams, je le verrais tellement comme ça, quoi. Vraiment, t'arrives avec tes potes, tu te lances une game. Et en vrai, tu peux te faire des trucs à thème et tout. Putain, gros, c'est fou. Tu peux te faire des trucs à thème, ça peut être rigolo, quoi. Puis bon, après, tu peux faire des jeux aussi. Ça, c'est bien. Oh.
Attends, attends. Le nom capteur de contact fait apparaître sur l'écran de jeu un capteur qui nous préviendra. Ok. Voilà. Les paramètres. Fais en sorte que seul l'ovni soit activé. Ok, et l'ovni il est noir, je crois. J'aime pas, je sais pas pourquoi. Non, je voulais dire, j'aime bien. J'ai fait un mix des deux, j'aime pas, tu vois ça. Hein. Et je voulais dire, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'adore les menus chez Nintendo. Ils sont tellement cool. À nouveau, on va faire en sorte de pouvoir. Okay. Sortie, produire un son, effet sonore. Ouais, c'est un peu plus restreint que ce que t'as sur Dreams quand même. Parce que dans Dreams, tu peux faire ton son, quoi, tu vois. Ah. Tu peux faire. T'as quand même une banque de sons qui est. Qui est quand même énorme. Vraiment, le mec qui veut se faire son son, il peut. Hein. J'avais déjà vu au tout départ, un mec, il avait passé un peu de temps. Il avait fait la présentation. Le générique, pardon, de Game of Thrones. Et en vrai, il avait géré, là. Enfin, c'était. Tu savais que c'était un peu. C'était un peu mal fait, si tu veux, dans le sens où voilà, c'est pas une super production, mais vraiment, le mec, tu sens qu'il a passé du temps, quoi. Ils sont plutôt longs, les tutos. Ouais. C'est logique, Mario. Ouais, ouais, je sais qu'ils sont longs. Un nodon est fait pour déclencher un feu d'artifice. Alors, objet. Objet spécial. Effet feu d'artifice. Après, pourquoi c'est long? Parce que c'est un public qui est quand même visé. Le public visé, c'est quand même un public jeune. Ça commence à 7 ans. Donc, si tu veux, en fait, c'est aussi pour pas perdre. Quand t'as du jeune, très jeune public, c'est aussi pour pas perdre les jeunes. Tu vois. Parce que, voilà, t'apprends plein de choses. Et puis, il y a des choses que je refais, que j'ai déjà fait, mais ça permet de pratiquer. Enfin voilà. Attends, connecte le nonon contact. Ok, ça marche. On l'a déjà fait aussi. Nous devons réessayer. Donc ça c'est dans les sorties. C'est ça et c'est ça. C'est un peu comme Dreams. Des petits textes, je trouve ça marrant. Minuteur.
Oh, jusque là la logique je la comprends tu vois. Encore oui. Super ce jeu. Voilà. Ah, et le comptage de points. T'as toutes les séquences de programmation, quoi. C'est super intéressant, moi, je crois. Changement d'état. Objet détruit. Mais tu vois, je pense que il y a quand même des choses que je vais pas retenir. Les menus sont pas super simples à retenir. Appelle maintenant un nodon compteur. Alors c'est dans milieu, drapeau. Attends. Drapeau. Attends, what? C'est dans milieu, drapeau. Milieu. Compteur. Je vais faire à manger à mes gosses. Sont déjà en train de manger. Bah écoute Marie, bon appétit du coup. Et j'avoue que je vais peut-être pas tarder non plus. Voilà, c'était histoire de montrer un petit peu la nouveauté quoi. Ah, t'as pas faim malgré ta séance? Alors, souvent, quand je fais ma séance, j'ai un peu la dalle, je t'avoue.
Je dépéris en ce moment. Mais c'est la chaleur qui fait ça, Marie. C'est la chaleur, mais j'ai pas très faim non plus, hein. Honnêtement. Ouais, faut manger des fruits. C'est bien les fruits. L'été, c'est fait pour. Même avant ça, d'accord. Bon bah après c'est peut-être les événements aussi qui font ça, Mario. Je suis fatigué quand même. Alors, objet... téléporter objet, non? Ah, ça. Il y a tellement de trucs à faire en fait. Merde. Ah. Ah, attends. J'ai oublié le point d'exclamation. Important quand même. Quand tu le colles comme ça, ça le lie avec? C'est bizarre. Ah non, il le lie... ok, ça marche.
Non, ça c'est... Ah, copine est en sortie. Comparaison égale. Voilà. Constante. Le nodon compteur. Attends. Attends. Le nodon compteur. Au port entrée 1 du nodon comparaison. Puis le nodon constante à son port entrée 2. Ouais, d'accord, ça marche. Je sais pas pourquoi le 2 plus que le 1. Mais non. Attends, je crois. Attends. Pour finir, connecte le nonton et au nonton. Ok. Ouais, si c'est ça. Je suis pas gouré. Récompense parfaite. Mais ça se fait à très simplement, franchement je suis pas, enfin, je suis un peu teubé comme mec et du coup ça se fait bien quoi. Enfin, si tu veux je suis pas en train de galérer, ça se fait bien quoi. C'est pas une question de facile ou pas facile, donc, disons que c'est la prise en main elle est bien quoi. Ça c'est intéressant. On reste quand même dans un jeu à la base quand même. Donc faut quand même prendre du plaisir et pas trop galérer à mettre en place bah, le jeu quoi. Parce qu'on est quand même pas sur une interface clavier souris. Donc c'est bien de... Merde.
On est quand même pas sur une interface clavier-souris, donc c'est important que ce soit pas trop compliqué non plus à prendre en main. Voilà quoi. Non mais c'est pour rigoler, Marie. Oh merde. Alors ce que ça donne ça. Doudon de texture. Tiens, on va voir, ça peut être intéressant. Termine sur quel côté de l'objet la cible sera affichée. Ah, le dessin sera affiché, ok. Option X soit activé. Ah merde. Centre X. Tout pour moi. Attends, je... Ah, ok, ouais, ça marche. Oh, mec! Attends, j'ai pas fini! C'est pas grave. Bon, on laisse tomber. J'ai pas le temps de le faire, gros. Un odon, musique de fond. Ok, sortie, musique de fond. Entrée constante. Ah, j'ai plus de flotte. Ouais, en fait, tu peux vraiment personnaliser ton truc, genre tu remplaces complètement le skin, quoi, en fait. C'est comme ça qu'on ferait le... Ouais, d'accord. Changer la couleur des canons, projectiles.
Attends, déjà, on va effacer cette merde. Comment je peux faire? Gomme. Ok. Ah! Ouais, il pourrait peut-être faire des trucs guidés quoi, enfin c'est un peu chaud quand même. Batterie ferme. C'est une étoile, on est d'accord? Eh! C'est presque Bob l'éponge. Ah ouais, c'est chaud de ouf. Comment je fais pour... Ah, ok. Attends. C'est impossible, gros. Ouais. C'est clairement dégueulasse. Merde, c'est chaud mec. Ça. Comme ça. Ouais, attends, c'est ça aussi qui pose problème. Là. En fait, là. Ah, oh, mais c'est impossible. Ouais, si, d'accord. Là. Eh oh. Ah ouais, si, c'est envisageable en fait. Faut passer du temps, mais ça se fait, je pense. Donc lui, il est là. Ça se fait en fait. Non, là, je pense que ça se fait plus. Bon, on va dire c'est une étoile. Ok, on est content. Et du coup... C'est quoi lui déjà?
Ah, c'est stylé ça. J'aime bien ça. Ouais, putain, j'ai... Alors, on va faire un truc violet, allez hop. C'est dingue. Ça marche. Tu fais un panda, mais ce serait carrément envisageable. Ce serait jouable en fait. En passant un petit peu de temps. Ça du pixel hein, mais on pourrait carrément se marrer. Attends, c'est quoi? Non, je peux pas. Ok. Ah, donc on a fini le niveau. Je vais juste passer un dernier truc avant, parce qu'il y a des trucs de logique un peu à faire. Ouais, mais c'est totalement marrant. L'idée est très bonne. Ok. Voilà. Parce que si tu veux... Ok. Ok. Ça marche. Je vais faire le truc à la ça. Comme ça, ça me permettra de débloquer le prochain. Des fois les casse-têtes sont pas évidents, je trouve. S'il te plaît, petite venue. Ouais, donc là clairement. Attends. Je peux rien déplacer. Ok.
Alors attends, le stick ovni, qu'est-ce qu'il fait lui? Ça va attacher des objets pour créer des formes. Je comprends pas. Ah ok, ça marche. Non, c'est là. Ça marche, Marie, bon appétit. Bon appétit et bah, je sais pas trop ce que je vais faire moi ce soir. Je sais pas. Sera la surprise. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Je vous redirai de toute façon. Putain, on peut pas. Oh, je peux rien faire avec ça. Ah attends, je sais. C'est un bloc, je crois, non? Moi, je suis pas un bloc. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche avec moi? Ah oui d'accord. Oh mais... Attends mais non. Arrêtez avec nous. Ça c'est quoi? Paramètres de bouton. Je teste ça. Ah.
Batterie faible. Ah, fais chier. Allez. Alors du coup, comment que je peux faire? Parce qu'il y a un téléporteur, gros, mais... Je peux rien en faire. Parce qu'en fait... Voir si c'est le truc de sortie. Tu parles à qui? Bah à toi gros. Oh mec, comment ça peut marcher? Donc attends, ce que... Fait que lui, quand je le pousse, il pousse à la truc. En fait, faut pas que la. Faut pas que ça le téléporte. Mais. Ok, je veux bien. Mais comment avec ça? Ouais. Ok, donc ça c'est pas bon. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ça en fait. Voilà. Ouais, je suis un peu du genre un peu con. Le sens de E. Non. Ok. Alors ça c'est quoi? C'est un... bouton. Je vois.
C'est quoi les boutons que j'ai pris là? Bouton R et A, ouais, qu'est-ce que... Je vais défoncer la gueule. Ok. Allez, on va mettre en pause miam. Ok, bon ça c'est bon. Si jamais je fais un NMS, ça te tente ou ça te dit rien du tout? Je sais pas si les gens seraient motivés pour en faire un. Auquel cas, si ça tente personne, bah moi je continuerai sur ça. Je pense. Ça va se jouer comme ça, je pense. Aucune idée. Parce qu'en fait, si tu veux, l'idée que j'aurais, c'est que je voudrais voir la faisabilité de faire la même chose que ce que je fais dans Dreams avec les caisses dans ce jeu. Ça pourrait être marrant. Voir si je galère plus ou moins. Faire un FPS. Donc du coup c'est pour ça que je veux quand même avancer pour savoir comment faire tout ça quoi. Ah ouais, parcours périlleux environ 80 minutes. Après dit quoi? 80 minutes, 80, 60, 90 minutes, ouais, ok c'est pas tout de suite quoi. Je vais refaire l'atelier sur le Gyms, insupportable ce type. Bah ouais, c'est vrai ça. Putain mec, j'ai le bras qui me gratte. Des coups de soleil ça. Bon bah sur ce, bon appétit et puis bah de toute façon vous avez déjà, vous êtes en train de manger donc voilà. Et puis bah on se redit tout à l'heure si ça motive des gens faire un No Man's Sky voilà. Bah ça serait peut-être l'idée. C'est toi qui gratte ton bras qui te... ouais, c'est vrai gros. Putain, mais comment tu sais ça quoi? Ok, bon, allez à toutes. À toutes.